Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais aujourd'hui vous parler de ces idées qui ont eu pour objectif d'aider le gouvernement de la Défense nationale dans sa lutte pour défendre la patrie, comme on le disait à ce moment-là, pour gagner cette guerre contre la Prusse et ses alliés, guerre qui a été, on va dire, mal commencée. Après un mois de combat, l'armée française, une grande partie de l'armée française est encerclée dans Metz. L'autre est vaincu à Sedan, l'empereur est fait prisonnier, il capitule. Ça se passe le 2 septembre. Le 4 septembre, apprenant la nouvelle, des opposants au régime, menés notamment par Léon Gambetta, se réunissent à Paris, à l'hôtel de ville, proclament la déchéance du Second Empire et la constitution d'un gouvernement provisoire de la défense nationale, avec l'objectif de continuer la guerre, de soulever les forces vives de la France qui n'ont pas encore été engagées, et elles sont nombreuses encore à ce moment-là. Et puis l'objectif, battre les Allemands, les repousser, et on va dire, sinon, il n'y a pas la volonté d'aller porter la guerre en Allemagne, mais de faire recouvrer à la France la totalité de son territoire qui était le sien au début de la guerre. Donc Gambetta, que vous avez à l'écran, va être l'inlassable coordinateur de la guerre pour le gouvernement de la Défense nationale. Gambetta n'est pas le ministre de la guerre, c'est le général Le Flo qui est à Paris et qui restera à Paris tout au long du conflit. Gambetta est ministre de l'Intérieur et à ce titre, il quitte Paris en ballon le 7 octobre 1870 et rejoint Tours le 9 octobre, Tours où est installée l'autre partie du gouvernement de la Défense nationale. Et Gambetta, de Tours, va coordonner, organiser l'ensemble de la, on va dire, des forces françaises pour essayer de sauver la patrie et repousser les Allemands. Gambetta va pouvoir compter sur les ressources de la France qui sont assez peu entamées malgré les défaites du mois d'août. Il y a encore un réservoir d'hommes assez important. Ça va constituer notamment les armées de la Défense nationale qui vont être grandement composées de mobiles. Alors les mobiles, c'est, on va dire, l'équivalent de la réserve. C'est l'équivalent de la Landwehr en Allemagne. Le problème pour la France, c'est que ces gardes nationaux mobiles sont, on va dire, peu instruits militairement. L'organisation n'est pas, on va dire, au beau fixe. Le gouvernement de la Défense nationale peut compter également sur d'importantes ressources financières. La France n'est pas un pays, on va dire, pauvre, exsangue à ce moment-là de la guerre. La France a des ressources financières qui vont lui pouvoir d'acheter des vivres et de l'équipement pour équiper et armer les soldats. Cependant, cet armement, même si on a de l'argent, on va le voir dans la suite de cette conférence, l'armement fait défaut. Les deux principales armées françaises ont été, sont mises hors jeu. L'une donc a capitulé et été faite prisonnière à Sedan. C'est environ 120 000 hommes et un important matériel qui sont récupérés par les Allemands. Et puis l'autre est encerclée dans Metz. Et tous ces moyens, 180 000 hommes et encore une fois un armement et des munitions en grande quantité, sont bloqués là aussi par les Allemands, et le gouvernement de la Défense nationale ne peut pas en disposer. Donc autant on peut faire venir facilement, surtout en cette fin d'été et en ce début d'automne, des vivres de France, c'est pas vraiment pas quelque chose qui manque. Les effets, notamment vestimentaires, pareil, c'est pas, il n'y a pas une pénurie effroyable. Par contre, l'armement, les manufactures ont beau être pas dans des zones occupées, majoritairement pas dans des zones occupées par les Allemands, Bourges, Nevers, Châtellerault notamment, sont en zone, on va dire, française. Cette production de ces manufactures ne va pas suffire pour armer le gouvernement de la Défense nationale. On va donc faire appel à toutes les volontés pour armer ces combattants de la Défense nationale. Alors,
Cet appel à l'armement, enfin aux armements, il prend place dans un appel général à tous les Français. Comme vous le voyez à l'écran, Gambetta, qui est assez habile de la langue française, va vraiment stimuler, encourager toutes les initiatives, notamment l'enrôlement de volontaires dans la garde nationale mobile ou dans les groupes de francs-tireurs. Des affiches sont placardées. Vous voyez ici, « Citoyens, la patrie est en danger. L'ennemi continue sa marche insolente sur Paris et sur Lyon. Que la France républicaine en masse se précipite à sa rencontre et l'écrase. » Donc des proclamations de ce type. En septembre 70, il y en a vraiment tout un tas qui sont placardés dans toutes les villes françaises qui ne sont pas encore sous contrôle allemand. Et c'est la majorité du territoire à ce moment-là qui n'est pas sous contrôle allemand. On fait également, par l'intermédiaire des épouses de parlementaires, appel aux femmes françaises. On leur demande leur concours patriotique pour fournir, je cite, « à nos braves mobiles et francs-tireurs des vêtements chauds qui leur permettraient de supporter la rude saison d'hiver ». Voilà. Donc, vraiment, tout le monde est mobilisé. Pardon. Tout le monde est mobilisé dans ce combat. On a également une atmosphère, on va dire, assez fiévreuse, notamment dans Paris. Tout le monde, enfin une grande partie de la population veut combattre, veut apporter son écho, qu'il soit, on va dire, physique ou financier, au gouvernement de la Défense nationale pour libérer soit la France, soit la République, soit la patrie, en fonction des considérations politiques de chacun. Vous avez notamment cette médaille qui symbolise un petit peu l'état d'esprit qui règne à Paris en cette fin septembre. Paris est assiégé le 28 septembre depuis 8 jours par les forces allemandes. Et on frappe des médailles. Paris en armes, Paris confiant, 22 lieux de rempart, 2500 canons, 400 000 poitrines, bien décidées à vaincre ou à mourir. Donc voilà, ça vous donne un peu l'état d'esprit qui règne à ce moment-là dans la capitale. On va créer une commission scientifique de la Défense nationale pour... en termes notamment d'armement et de, on va dire, de machines militaires, regrouper toutes les bonnes idées des citoyens qui écrivent. Il y a beaucoup de courriers qui sont adressés au ministère de la Guerre, au ministère de l'Intérieur ou directement à cette commission scientifique de la Défense nationale qui est présidée par Jules Simon. Et puis, vous le voyez ici, un exemple, un appel patriotique qui a été placardé dans Paris du comité scientifique de défense qui appelle à lever des fonds, amener des matériaux, appelle à la mobilisation de toutes les bonnes volontés, tous les bons esprits, on va dire, pour notamment exécuter immédiatement 1500 pièces de canon se chargeant par la culasse. Voilà. L'armement, c'est quelque chose qui fait défaut, je répète. On a aussi mesuré une certaine infériorité de l'artillerie française face à l'artillerie allemande. Et quand cette infériorité, en plus d'être, on va dire, qualitative, elle est surtout quantitative, on veut des pièces d'artillerie moderne et des mitrailleuses également. Donc on va lancer des souscriptions. Le comité scientifique de défense nationale va organiser, on va dire, un petit peu toutes ces souscriptions, mais beaucoup de choses vont se faire, on va dire, de manière naturelle. Beaucoup de corporations se mettent en quête de fonds pour fabriquer de l'armement. Beaucoup de bataillons de la garde nationale, à Paris en tout cas, sont très proactifs pour récupérer des fonds et avoir chacun leur canon et ou leur mitrailleuse. Et puis ici, un exemple avec un carnet à souche de la Société chimique de Paris, future Société chimique de France, qui va faire énormément de, on va dire, de tapage pour récupérer de l'argent, notamment dans les milieux scientifiques et techniques, afin de donner au gouvernement de la Défense nationale, et je dis bien donner, hein, pas vendre, donner de manière patriotique de l'armement, cet armement qui fait tant défaut. Donc on va faire des quêtes. Il va également y avoir des lectures publiques, notamment Victor Hugo va donner des lectures où on va lire des textes de Victor Hugo qui est revenu dans la capitale dès l'annonce de la déchéance de l'Empire. L'Empire est proclamé déchu le 4, Victor Hugo revient le 5 à Paris de Bruxelles. Et puis des concerts qui sont organisés au profit de la garde nationale, au profit de l'armement de la commission scientifique. Je citerai notamment l'orchestre de Jules Padeloup,
qui, à Paris, organise de nombreux concerts au profit de la Défense nationale. Et puis, en échange, on a ces objets qui sont ou donnés ou vendus en fonction. Ces jetons de souscription, à gauche, celui de l'industrie de la chaussure qui offre le canon, le Saint-Crépin, au gouvernement. Et puis, à droite, les lecteurs du siècle qui offrent le canon, le Voltaire, toujours au gouvernement. Alors, ces dons se font aussi de manière, on va dire, matérielle. On voit là une représentation des patriotes de Suresnes, comme c'est légendé, qui offrent la cloche de leur église au gouvernement de la Défense nationale. Et puis, une lettre, le père Rigaud, curé de la Bastide des Jourdans, c'est dans le Vaucluse, qui s'est dépêché de monter deux cloches et un carillon pour célébrer la victoire décisive par un tédéum. Mais ça n'arrive pas. Et je cite « La déplorable capitulation de Metz ayant reculé cette date et ajourné nos fêtes, je me fais un devoir glorieux de vous offrir, monsieur le ministre, pour être fondu en canon, tous ces terrains représentant un poids total de 600 kilos, à la condition express qu'après la victoire définitive qui ne peut manquer de rester à notre drapeau, le ministère de la guerre me rendra cloches et carillons semblables fondus à Paris avec un canon prussien de bronze. » Voilà, donc le patriotisme bat son plein, on croit vraiment fort à la victoire, et à la suite de ce que proclame Gambetta, on imagine le même sursaut qu'en 1792, il faut sauver la patrie est en danger, une armée de citoyens soldats va vaincre parce qu'elle se bat pour sa patrie et non pas pour un despote impérial et tout ce que vous voulez. Cette armée de citoyens, tous ensemble, plus nombreuse, avec un but de guerre plus noble, va refouler Prussiens, Bavarois et Saxons hors des frontières. Alors il va y avoir également beaucoup d'achats à l'étranger. Je parlerai assez peu de ça aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette conférence. Mais sachez que le gouvernement de la Défense nationale, qui, comme je le disais, ne manque pas de liquidités, achète en grand nombre des armes en Belgique, en Angleterre et surtout aux États-Unis, où les Américains s'empressent de revendre à la France les surplus de la guerre de sécession qui s'est terminée 4 ans auparavant à peu près. Donc énormément de matériel américain arrive en France, surtout de l'armement d'infanterie, des fusils, des revolvers. Et outre cet armement, le gouvernement achète des productions américaines qui étaient destinées à d'autres pays. C'est pour ça qu'on se retrouve avec, par exemple, vraiment un exemple parmi d'autres. La France achète de nombreux fusils Remington américains, mais également des productions Remington destinées à l'Espagne, à l'Égypte ou à d'autres pays, ce qui fait qu'on a, entre guillemets, plein de fusils Remington différents. Donc c'est intéressant sur le plan d'objets aujourd'hui, sur le plan muséal. À l'époque, en termes de logistique, c'est un cauchemar parce que le Remington égyptien et le Remington espagnol ne sont pas chambrés au même calibre. Et donc, quand vous avez un Remington égyptien, vous ne pouvez pas tirer des cartouches de Remington espagnol. Et à l'époque, la logistique, c'est un secteur assez déficient au sein de l'armée et même du pays tout entier qui est accaparé par la guerre. Donc en France, on manque de canons et donc on va le faire fabriquer par de l'industrie privée. Vous avez ici à l'écran justement la commission scientifique de la Défense nationale qui installe dans la chapelle du Conservatoire des arts et métiers des pièces d'artillerie réglementaires qui ont été produites avant la guerre pour que des artisans, des fondeurs, des mécaniciens puissent venir les observer, comprendre leurs mécanismes, prendre des cotes et les fabriquer dans leurs ateliers pour le compte du gouvernement. Ici, les ateliers Flo à Paris, c'est assez proche du Champ de Mars. Les ateliers Flo qui, on le voit, sont en train de construire notamment des mitrailleuses au premier plan et puis des canons sur la droite de l'image. Voilà le canon, on va dire, réglementaire français, un canon de 7, car il tire des obus de 7 kilos, qui a été mis au point par le capitaine de Réfi au début de l'année 70, qui n'est pas présent en très grand nombre dans les armées françaises au début de la guerre. Et ce canon à chargement par la culasse, qui, répond globalement aux effets du canon Krupp allemand, ce canon va être celui qui va être le plus copié par les industriels français.
C'est ce type de canon qui, après souscription auprès de Lecture publique de Victor Hugo, est baptisé le Victor Hugo. Alors, ce n'est pas celui qui est à l'écran, hein, c'est un canon du même type. Celui-ci a été fabriqué à Paris par les ateliers Perrin et compagnie, qui sont des fondeurs notamment de cloches et d'autres statues, etc., en bronze notamment. Les ateliers Perrin se mettent à fabriquer des canons, et c'est un canon de ce type qui est nommé Victor Hugo en l'honneur du grand poète républicain. Victor Hugo qui va vouloir, par modestie, que son canon soit baptisé Châteaudun en l'odeur de la ville de Châteaudun qui a été mise à feu par les Bavarois. Et puis Victor Hugo qui... dans l'année terrible, livre quelques vers sur ce canon qui porte son nom et qui l'appelle à venger la France de la barbarie allemande. Comme je disais, la France manque de canons et on s'est rendu compte des effets que pouvaient importants et non négligeables que pouvaient produire les mitrailleuses. En 1870, la France part en guerre avec environ 190 mitrailleuses qui sont appelées à l'époque des canons à balles. Ça ressemble à des canons et ça tire des balles, d'où ce nom. Mais c'est l'un des ancêtres de la mitrailleuse. On s'est rendu compte des effets importants que pouvait causer cette arme et très vite, on va vouloir chercher à en fabriquer d'autres pour pouvoir tout simplement livrer encore une fois des effets considérables aux troupes allemandes. Donc ce modèle de mitrailleuse est copié par les artisans français et puis on en achète d'autres, notamment la Belgique, que là encore on copie pour fabriquer de cet armement qui manque. À l'écran, vous avez une mitrailleuse Christophe et Montigny, une fabrication belge que le gouvernement de la Défense nationale achète en nombre assez important. Et puis ici, une mitrailleuse Gatling qui provient des surplus de la guerre de sécession et que, pareil, les industriels français pourront copier pour continuer d'armer les troupes de la Défense nationale. Alors, les artisans font comme ils peuvent. Parfois on manque de matériaux, on n'a pas le savoir-faire, ce qui conduit à quelques réalisations qui sont, on va dire, totalement non réglementaires, comme ce canon à balles de Réfi, où l'enveloppe de bronze est totalement absente et où l'affût n'est pas en bois, mais en acier. Donc on a des choses totalement nouvelles qui sont mises au point à ce moment-là. On va également concevoir des armes... là qui n'ont plus rien à voir avec ce qui existe, à part un mécanisme qui va être copié. C'est le cas de la mitrailleuse Bollé, qui est mise au point à l'automne 70. Voilà cette mitrailleuse que vous pouvez voir dans l'exposition temporaire actuelle au troisième étage. Cette mitrailleuse qui, comme ça, ressemble grosso modo à une mitrailleuse Gatling, mais qui en fait reprend le même mécanisme que le canon à balles de Réfi. Alors la mitrailleuse Bollé, elle est mise au point par cet homme, Amédée Bollé, qui est fondeur de cloches au Mans. Amédée Bollé est installée, c'est une entreprise familiale qui est installée depuis plusieurs années au Mans. Et Bollé répond à l'appel de la Défense nationale, va au Mans prendre des notes et copier les canons et les mitrailleuses qui passent dans tout le territoire. Il y a des, on va dire, ces armes sont itinérantes. Et voyage dans toute la France pour que justement les mécaniciens, fondeurs, etc., charrons aussi pour les affûts, puissent les copier. Donc on a eu la chance, notamment pour l'exposition, d'avoir accès aux archives d'Amédée Bollé qui sont conservées, et notamment à son carnet de travail. Et on peut voir toute la démarche de cet industriel qui va donc copier, comme il l'indique en haut, la mitrailleuse de l'État. Donc on retrouve le profil du canon à balles de Réfi. Il a toutes ses notes à côté et puis ses petits calculs qui sont pris. On voit les notes notamment pour les rayures, la profondeur des rayures, le grammage, la balle, etc. Et puis,
comme il ne peut pas la construire dans son atelier, qui n'a pas les machines pour le faire, il va concevoir une arme au mécanisme similaire, mais à l'aspect totalement différent, parce qu'il doit l'adapter à ses capacités de production. Et dans son carnet de travail, on a ces pages qui montrent le cheminement entre ce qu'on a vu ici, le canon à balles, et puis ce que vous avez vu auparavant, la mitrailleuse. Et voilà, on a cette étape intermédiaire où on commence déjà à lire ce que va être la mitrailleuse Bollée dans ce carnet de travail. Donc, même quand les industriels ne peuvent pas produire exactement ce qui est en usage dans l'armée française, il y a cette volonté d'aider le pays, d'aider le gouvernement et de produire pour équiper les armées des armes qui vont peut-être pouvoir renverser la situation. Alors malheureusement, ça ne sera pas le cas des mitrailleuses Bollée, ça ne sera le cas d'aucune mitrailleuse, car comme vous le savez, la France a perdu la guerre. Mais ces armes vont équiper, en plus ou moins grand nombre, les armées de mobiles qui se battent pour essayer de contenir l'envahisseur allemand. Ça va également être le cas de Chevaliers et Greniers, qui sont deux industriels lyonnais, alors qu'ils sont par ailleurs capitaine pour Chevalier et lieutenant pour Grenier dans la garde nationale mobile lyonnaise, et qui vont mettre les ressources de leur usine, qui est une usine de mécanique, qui fabrique des machines-outils, grosso modo. Ils vont mettre les ressources de leur usine, à la réalisation d'armes. Ici, une mitrailleuse qui a été nommée la Dioise, car offerte au 3e bataillon de la 2e Légion de la Drôme, donc bataillon qui a été formé dans la ville de Die. Et pareil, quelque chose de complètement nouveau, avec il y avait 30 canons, il y a 25 tubes dans la mitrailleuse de l'État, le canon à balles de Réfi, il y a 30 tubes dans la mitrailleuse Bollée, il y en a 16 dans la mitrailleuse de Chevalier et Grenier, qui fonctionne grosso modo sur le même mécanisme, mais avec un aspect totalement différent, car, encore une fois, adapté aux moyens de production. On retrouve ça avec la mitrailleuse des frères Gabert, qui sont également lyonnais, et qui livrent une mitrailleuse de 8 tubes à Lyon, et qui va également armer les mobilisés du Rhône. Et puis, au gré du travail de prospection, du travail en archive, on trouve des choses plus ou moins étonnantes, comme cette mitrailleuse qui comporte 98 tubes, c'est quand même considérable, qui est montée sur un affût assez massif et dont on ne sait pas grand-chose. Voilà, il reste encore du travail de recherche et de prospection sur cette période, même si on a pu avancer sur pas mal de points grâce à l'exposition. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir et celle-ci est reste un mystère, en tout cas passé le moment iconographique. Je ne suis pas capable de vous livrer plus d'informations sur cette mitrailleuse, mais même sans ça, ça montre bien l'extraordinaire foisonnement, l'extraordinaire inventivité qu'il y a eu à cette époque pour armer les armées de la défense nationale. L'armement portatif est également touché, même si on a moins besoin de choses, car, comme je l'ai dit, énormément de stocks d'armes sont acheminés depuis l'Angleterre et depuis les États-Unis. On va quand même fabriquer ou faire fabriquer des choses qui avaient été produites un peu avant la guerre. C'est le cas de Jean-Louis de Vimes, qui est un armurier français, qui avait proposé des armes au Second Empire. Ces armes n'avaient pas été adoptées, car jugée intéressante, mais pas supérieure à ce qui se faisait à l'époque, notamment le fusil chasse-pot. Et donc, De Vimes remet en route ses ateliers et produit les choses qu'il avait conçues 2-3 ans auparavant. Et donc, certains soldats, notamment des officiers, sont armés de ce revolver De Vimes, qui est un revolver tout à fait acceptable. Hein. C'est pas une... Il n'y a pas de danger, mais qui n'avait pas été adopté par l'armée française, et ben on va le trouver produit au profit des mobilisés et des combattants du régime républicain. Les armements venant des États-Unis sont parfois également convertis pour pouvoir tirer des cartouches françaises, notamment les cartouches de chasse-pot. Vous avez ici ce fusil Springfield
qui est converti au système de chargement par la culasse SAMIN, qui reprend grosso modo le système Chassepô. Et puis ici, un autre système de chargement par la culasse de Urtu et Autun, avec on va dire un corps en bronze et qui va être adopté à plusieurs fusils. Là encore, pour convertir d'anciens fusils qui se chargeaient par la bouche au chargement par la culasse, qui offre une rapidité de tir plus importante. Et donc, ce système Urtu et Autun a été adopté à plusieurs fusils, comme notamment ce fusil modèle 1822, donc pas de toute première jeunesse. Hein. Et ben ce fusil a été converti par, on va dire, la volonté d'armuriers qui ne sont pas, on va dire, des armuriers officiels de l'armée française. Alors, convertir des fusils à chargement par la bouche au chargement par la culasse, c'est quelque chose qu'on fait depuis 1867. Ce n'est pas non plus une idée totalement incongrue et nouvelle, mais comme ça ne va pas assez vite dans les ateliers on va dire, qui ont des contrats avec l'armée française, les armuriers privés répondent aux besoins du gouvernement de la Défense nationale en produisant cet armement. Et puis, l'image a bougé. On a également des projets un peu plus, on va dire, incongrus. Des gens, notamment ce monsieur Kerl, ancien zouave, qui propose d'armer les citoyens de pique pour partir à l'assaut des lignes allemandes, en disant que l'élan français aura raison du militarisme prussien ou quelque chose comme ça. On trouve aussi des gens qui souhaitent armer avec des piques ou des lances des milliers de femmes ou d'enfants, car ce sont des populations, je cite grosso modo ce que j'ai lu, hein, ce sont des populations inoffensives pour les Prussiens. Ils pourront s'approcher de près et puis les tuer au dernier moment dans un effet de surprise et permettre ainsi à l'armée de passer outre les premières lignes prussiennes. Voilà. Donc il y a toujours cet attrait pour on va dire la surprise et puis pour montrer que la France dans tout son entier peut vaincre l'ennemi. Alors sont envoyés également, outre ces idées d'armement, énormément d'idées de plans de campagne au gouvernement de la Défense nationale. Pareil, je sortirai du cadre de la conférence en les exposant, mais on a beaucoup de gens qui s'improvisent stratèges et qui envoient, notamment à Gambetta, des idées pour, on va dire, pour continuer la guerre et puis pour prendre par surprise l'ennemi. Alors grosso modo, comme ça reprend plus ou moins ce que Gambetta et Freycinet organisent pour la Défense nationale, y a rien de bien incongru, c'est masser les armées derrière la Loire, derrière, on va dire, des fleuves à l'abri des troupes allemandes, masser des armées énormes, énormes, énormes de Français, et puis les envoyer vers les lignes allemandes où leur nombre submergerait l'ennemi. C'est un peu plus compliqué que ça, vous vous en doutez, en réalité. Alors, on trouve quand même des choses très, très particulières qui ont été réalisées, notamment ce sabre-hachette artisanal. Et souvenez-vous de cet état d'esprit qui règne dans Paris. Le gouvernement est Trochu, le général Trochu en tête. Trochu est le président du gouvernement de la Défense nationale, commandant en chef de l'armée de Paris. Trochu s'attend à une attaque de vive force de la part des troupes allemandes et donc a diffusé cette idée auprès de la population qui est la première à l'accepter. Hein. Il n'y a pas, on ne remet pas en cause, tout le monde s'attend à une attaque des Allemands et résultat, tout le monde veut se battre avec l'idée que si chacun tue son Prussien, on a gagné la guerre. Bon, pareil, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Moltke le sait, il ne va pas risquer son armée dans des combats de rue sanglants et il va juste attendre que la fin fasse son œuvre, ce qui va se passer bien évidemment. Mais ça n'empêche pas certains citoyens de produire ces armements un petit peu loufoques, notamment voilà, ce sabre hachette, un sabre avec une hachette qui se glisse dans la poignée, et puis c'est du deux en un, on a ça à la ceinture, et 10 secondes après, on a un sabre dans la main gauche, une hachette dans la main droite, et on peut zigouiller du Prussien à tout va.
Bon, pareil, hein, c'est une belle idée de l'esprit, mais ils ne viendront jamais. Mais voilà, tout le monde essaye de participer à l'effort. On trouve notamment dans tous ces projets refusés par le gouvernement de la Défense nationale, et notamment cette commission scientifique, tout un tas de machines, parfois loufoques, parfois, on va dire, plus détaillées. C'est le cas de cette machine canonnière à vapeur et à pression, proposée par un monsieur Gondonin. Monsieur le ministre, nous avons trouvé un système de machine canonnière à vapeur et à pression pouvant lancer au moins 400 boulets par minute. Je dis bien, hein, par minute. Cette machine fort simple pourrait être construite en peu de jours et coûterait moins de 10 000 francs. Bon, quand on voit les plans, ça a l'air assez complexe. Voilà, on ne dit pas où c'est construit, comment. C'est juste simple, ça coûte pas cher et ça lance 400 boulets à la minute. Donc voilà, soit ce type de projet que reçoivent les officiers de la commission scientifique et qui sont classés généralement sans suite. Parfois, ils sont un peu plus incisifs, on va le voir. Avec notamment cet engin doué d'une grande puissance de destruction donnée par Monsieur Louis et qui propose tout simplement d'aligner trois canons de manière, on va dire, parallèle et de leur faire tirer simultanément un projectile unique, à savoir trois boulets reliés entre eux par des barres de fer. Et si on tire ça, explique-t-il, contre les lignes allemandes, les soldats vont se prendre cette grande barre sur eux, et le choc étant formidable, ils vont être rasés, et ainsi les armées françaises vont pouvoir avancer. Bon. Alors c'est légendé, insensé, point d'exclamation, et voilà. C'est... on a également ce monsieur Sève qui propose trois machines, une batterie cuirassée avec trois canons qui avancent poussés par six chevaux et protégés par une zone, on va dire, blindée. Le avancer blindé, enfin à couvert, c'est une des grandes préoccupations de généralement des inventeurs, de ceux qui proposent. Il y a cette idée de vouloir protéger les forces françaises du feu ennemi. C'est une chose qu'on trouve souvent. Donc ils proposent ça avec des canons, également avec des fusils, ici le croquis d'une meurtrière mobile faite avec des rails pour cerner et courir sur l'ennemi à l'abri des feux meurtriers. Voilà, c'est, j'ai envie de dire, tout simplement. Bon, pareil, hein, refusé. Et puis cette tourelle mobile mitrailleuse avec voilà, une espèce de on va dire ce qui pourrait être compris comme un des nombreux ancêtres, en tout cas de l'idée du char d'assaut moderne. Alors je mets beaucoup de guillemets à tous les mots, hein, parce que voilà, ça reste des dessins. Mais cette idée, encore une fois, d'avancer caché à l'abri du feu ennemi et de lui proposer un feu meurtrier pour ses troupes. Voilà d'autres propositions de bouclières avec une ligne de boucliers, de remparts qui protégeraient les troupes françaises. Alors ici des choses en bois, comme si ces boucliers allaient naturellement résister à l'artillerie allemande. On a également une lettre. Elle est bien introduite en plus. La Prusse poursuit notre anéantissement avec une férocité qui n'a pas d'exemple même dans l'histoire des peuples barbares. Elle procède méthodiquement à cette œuvre de sang. Ça, il faut convaincre le ministre. Nous laisserons-nous égorger comme des troupeaux stupides et mettrons-nous notre honneur à ne présenter aux engins de meurtre que nos poitrines nues ? Ce serait insensé. Je propose donc des forteresses volantes et la formation de corps chargés de les manœuvrer et auxquels je donne le nom significatif de preneurs de batterie. Il s'agit juste de boucliers roulants blindés auxquels M. Racle, l'inventeur, hein, donne un angle assez pentu pour, je cite, « dévier les boulets et les obus ». Voilà, c'est un petit peu empirique. Et il termine ainsi, après toute cette explication technique dont je vous fais grâce, « Je supplie qu'on ne considère pas ma proposition comme extravagante ni même exagérée. Elle est fondée sur les données les plus précises de la science ». Et en marge, annotation de la commission, la plus belle que j'ai trouvée, hein, la meilleure forteresse ambulante est la poitrine d'un brave. Avec ça, la France est sauvée.
Donc voilà, ces sortes de boucliers qui sont illustrés pour montrer que ça peut être terrible, avec ici un soldat français abrité qui met à terre six soldats allemands, hein, petit casque à pointe facile à représenter. Voilà, il y a cette idée, hein, protégeons nos soldats et à partir de là, ils seront quasiment invincibles. Bon, les lois de la guerre sont un peu plus complexes. On a également cette proposition de forteresse blindée mobile de Monsieur Jourdain qui écrit à Gambetta ainsi: Citoyen ministre, en présence des nouveaux malheurs de la patrie, je crois devoir mettre sous vos yeux un plan défensif pour conserver, en attendant mieux, le territoire que les traîtres n'ont pas encore livré à l'envahisseur. Si joint un croquis de la carte, un mauvais dessin de la forteresse et les indications les plus brèves qu'il m'a été possible de donner sur les services que l'on peut espérer de son concours. Quel que soit l'accueil fait à ma proposition, je mets à disposition du gouvernement républicain que vous représentez avec tant d'énergie et de dévouement le peu que vaut toute l'activité dont je me sens capable. Signé Jourdain. Donc, ce monsieur Jourdain dessine une forteresse blindée mobile, soulignée deux fois indestructible, qui comprendrait deux officiers, 20 hommes, des vivres et des munitions pour 30 jours. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et qu'il propose de disposer tout au long de la zone des combats afin de former une sorte de cordon médical pour sauver la partie de la France qui n'a pas encore été envahie par les Allemands. Donc vous voyez, ça court. Alors Paris est ici, hein, le croquis est légèrement dévié. Voilà, ça part de Lille, ça passe devant Rouen qui n'est pas encore prise à ce moment-là. Ça englobe Le Mans, pas Chartres qui a été prise. Ça passe sous Orléans qui vient d'être reprise à cette époque, Gien, et ça remonte jusqu'à Besançon en passant par Lyon. Donc voilà, avec cette ceinture de forts mobiles blindés, il y aurait une sorte de cordon qui permettrait aux Français de se réorganiser derrière et de reprendre le combat une fois que tout aurait été rétabli. Exactement des choses plus naïves, comme cette forteresse circulaire où on explique, je ne vais pas vous la lire en entier pour le coup, mais on explique que cette forteresse, elle est blindée, elle se déplace toute seule grâce à un moteur à vapeur, elle est armée de nombreux canons et qu'elle est indestructible et qu'elle peut vaincre tous les Allemands qui pourraient s'y attaquer. Bon, c'est un peu, voilà, c'est un beau programme. Mais ça n'explique pas comment on la fabrique, comment, enfin, tout plein de choses. Voilà. Mais il y a voilà, vraiment tout un tas de personnes, certaines, on va dire, sérieuses et dont on sent, malgré une idée peu réalisable, des compétences en mécanique, en technique, et puis d'autres qui offrent juste des idées qui sont loufoques, certes, mais il y a cette volonté, encore une fois, de venir au secours de la patrie, de la République. C'est également le cas avec cette Agenèse, la Genèse proposée par M. Fauré, un ancien zouave, sous-titré « La France libre ou la mort ». La Genèse, batterie mitrailleuse blindée à vapeur, offerte gratuitement au gouvernement français pour être employée à la défense nationale et la protection des convois de blessés de vivres et de munitions qui circuleront bientôt sur les chemins de fer prussiens au cœur des territoires des incendiaires des ambulances de Wissembourg. Voilà. Quelque chose qui est proposé mi-août ou fin août, si mes souvenirs sont bons. Donc la défaite est encore... les premières défaites sont encore proches. On rêve encore à ce moment-là de porter la guerre en Allemagne et on propose ce train ce train un peu extraordinaire qui circulerait sur les chemins de fer. Alors le chemin de fer, ça se développe. On a notamment la trace d'un wagon blindé et armé qui est en service à Paris pendant le siège et qui aurait circulé notamment sur les voies partant de la gare d'Austerlitz vers la province pour essayer d'appuyer les armées de la défense nationale lors d'une tentative de sortie de Paris. Mais voilà, armées, blindées des wagons, les armées, c'est quelque chose que l'on retrouve de manière récurrente. Ici, le projet de Berger de Cusset, un wagon blindé et mitrailleur. Un autre projet...
alors cette fois plus naïf, voilà, avec une locomotive blindée par une espèce d'immense demi-sphère métallique, avec des pièces d'artillerie qui sont posées dessus. On ne sait pas où elles tirent, mais elles sont posées dessus. Voilà, il y a armé des trains. Cette idée que des nouvelles technologies d'alors, et notamment la locomotive qui permet de se déplacer vite sur le réseau ferré français, si on la blinde et qu'on l'arme, on a une arme qui permettrait de renverser la situation. Également, dans d'autres moyens, alors ici plus de communication que de combat, mais qui sont intéressants et que je voulais vous montrer aujourd'hui ce projet de Monsieur Guéguin, un canot sous-marin fluvial pour permettre aux Parisiens de communiquer via la Seine avec la province et de même aux provinciaux de communiquer toujours par la Seine avec les Parisiens. Et puis, l'épopée des ballons. Alors, l'exposition, si vous y allez, et je vous y invite fortement, l'exposition montre l'une des nacelles qui s'est élevée de Paris pour rejoindre la province et toute cette épopée des ballons, notamment soutenue au départ par le photographe Nadar. Le gros problème de ces ballons, c'est qu'ils ne sont pas dirigeables. Ils sont gonflés au gaz de ville et se déplacent en fonction du vent. Ce qui explique que certains aéronautes alors, finissent leur trajet en France sains et saufs, d'autres se retrouvent en Allemagne ou dans les zones occupées par les Allemands, c'est dommage, d'autres iront se perdre en mer, alors, pas beaucoup, mais bon, c'est jamais très, très agréable. Certains ils atterriront sains et saufs jusqu'en Norvège. Donc voilà, il y a ce souci de diriger les ballons montés. Et donc, ici, ce monsieur Biot qui propose des ballons équipés d'enveloppes directionnelles pour pouvoir jouer avec le vent. Un autre, ce monsieur Baudouin, qui propose un ballon équipé d'un gouvernail pour prendre le vent dans la direction souhaitée. Bon, c'est des projets qui resteront lettre morte pour le deuxième. Pour le premier, quelque chose d'un peu similaire sera tenté, mais n'offrira pas de bons résultats. À côté de tout ça, on trouve aussi des projets assez ubuesques. Ici, le projet de ce monsieur Guillet, qui est un garde forestier sartois, qui propose de miner les arbres pour les faire exploser au moment où les troupes allemandes passent sur la route et ainsi, premièrement, leur bloquer le passage et deuxièmement, si il l'explique bien, si l'arbre et si la détonation est déclenchée au bon moment, on pourra écraser aussi des soldats allemands. Alors, on trouve un autre, on va dire, aspect qui est expliqué par tous ces inventeurs, c'est l'utilisation de produits toxiques et notamment de gaz asphyxiant. Donc c'est vrai que si on fait un bond dans le temps, on s'aperçoit qu'en 1915, les Français seront, étant touchés, les premiers à protester contre la barbarie allemande d'utiliser des gaz de combat. Dès 70, c'est un rêve qui ne devient pas réalité, mais qui est fortement souhaité. On a ainsi Monsieur Planchu, qui écrit à Monsieur Gambetta: Il est du devoir de tout Français de concourir à la défense nationale selon ses moyens et ses aptitudes. La crainte que ma lettre tombât entre les mains des Prussiens m'avait jusqu'ici empêché de vous l'adresser. Mon idée pourrait ne pas être inutile, voici. Et donc là, il explique l'idée de vaporiser à l'aide de pompes un mélange de sulfure de carbone et de phosphore pour enflammer les Allemands qui monteraient à l'assaut de Paris. Il termine. Un inconvénient majeur se présente. La solution pourrait prendre feu dans les pompes. Mais les hommes spéciaux que renferme Paris sauront bien vaincre la difficulté. Voilà. On a également une autre proposition de Monsieur de la Morinière qui écrit à Monsieur le directeur du comité de la défense nationale: Je viens vous soumettre trois moyens de défense. Alors, il propose tout d'abord de construire un grand nombre de ce qu'il appelle des locomobiles à vapeur. En gros, des locomotives qui pourraient se mouvoir sur tout type de terrain, armées de canons et de mitrailleuses, et elles pourraient aussi lancer de grands jets de vapeur, donc évidemment sur les Allemands. Il propose également de piéger les routes en installant des explosifs dans des tranchées camouflées et ainsi les faire exploser au moment où les Allemands passent.
Donc voilà, on se rapproche de choses employées par la résistance entre 40 et 45. Et puis, il met, pour terminer, se servir des ballons qui partent de Paris pour lâcher des vases en verre contenant des gaz asphyxiants au-dessus des lignes ennemies. Donc toujours cette idée du gaz asphyxiant, et là aussi une idée de bombardement aérien. Alors, encore une fois, je mets des guillemets autour de tout ça. Alors, on lâche des vases depuis des ballons. On n'est pas encore de ce que connaîtra la Première et la Seconde Guerre mondiale. En 71, j'ai également trouvé l'exemple d'un pharmacien lorientais qui propose d'utiliser des boulets creux remplis de produits asphyxiants pour piéger l'armée allemande. Donc voilà, on est complètement dans l'idée d'une artillerie à projectiles toxiques pour vaincre l'ennemi. On a également un vétérinaire tarbais qui propose de parsemer les routes empruntées par les Allemands de chausse-trappes enduits de poison pour affecter les chevaux ennemis. Et puis, le plus loufoque des projets, pour terminer, cette proposition de batterie de pierre. Alors, ce n'est pas signé, c'est peut-être un signe. Donc, l'inventeur explique « En tendant de fortes cordes entre des troncs d'arbres, on obtient une tension extraordinaire. On y installe de grandes pierres rondes, le tout est caché par des buissons. Après avoir provoqué l'ennemi pour le forcer à une attaque en masse, lorsqu'il est à bonne distance, les cordes sont coupées. L'effort qui suit est colossal, immense, la confusion est parfaite, car il n'y a pas d'homme, pas un seul, qui garde son sang-froid en apercevant de grandes pierres s'approcher rapidement sans pouvoir éviter le grand danger. » Donc voilà, un lance-pierre géant, il n'y a pas d'autre mot. Donc pareil, dans la marge, annotation insensée, point d'exclamation de la part de la commission scientifique de la Défense nationale. Il me reste 3 minutes pour conclure, Sylvie. Ouais. Voilà, donc cette conférence est vraiment pour but de vous montrer ce foisonnement d'idées à l'automne 1870 et jusqu'à l'hiver 71. On a des courriers qui arrivent encore au mois de mars pour dire « Ah, j'ai une super idée, grâce à ça, on va pouvoir reprendre la guerre et vaincre les Allemands, les repousser, etc. etc. » Jusqu'au mois de mars, alors que l'armistice est signé de manière définitive le 15 février, encore au mois de mars, on a des courriers qui arrivent et qui expliquent la bonne idée, l'arme miracle, pour sauver la France. Alors, c'est des choses qu'on trouve un peu avant. Déjà, les bureaux de la guerre, notamment au moment de la guerre de 7 ans et au début de la Révolution française, on trouve des citoyens, des sujets du roi, qui envoient des courriers en proposant une bonne idée. Mais les techniques de l'époque ne sont pas du tout les mêmes qu'en cette fin du XIXe siècle. Et c'est vraiment pas comparable. Là, la révolution industrielle permet un foisonnement d'idées avec notamment l'aérostation, le chemin de fer, les mitrailleuses, l'artillerie, les premiers gaz de combat, enfin l'idée des premiers gaz de combat plutôt, donne ce foisonnement d'idées tout à fait, on va dire, intéressant d'une part, amusant pour certains, mais qui tous montrent, on va dire, que l'appel lancé par Gambetta a été largement entendu. Ces papiers, ces lettres viennent des quatre coins de la France. J'ai cité des choses qui venaient de Bretagne, du Midi, du centre de la France. J'ai vu des choses qui venaient de Savoie. J'ai vu des choses qui venaient des Pyrénées. C'est vraiment très, très, très divers. Le pays entier répond à l'appel lancé par Gambetta. Et je terminerai juste sur une petite pépite trouvée dans ses archives. Le citoyen Noël, qui est un Lyonnais, propose d'utiliser des pics pour venir à bout des Allemands. Si on arme les pics, ça coûte pas cher, et si on en arme chaque citoyen, c'est parfait et on peut renverser les lignes allemandes. Bon, ça c'était son idée principale, c'est pour ça que son courrier est arrivé là. Et puis il joint à l'intention, enfin il y a une copie de lettre adressée à Jules Favre. Jules Favre est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Défense nationale. Et dans cette copie, le citoyen Noël propose un nouveau pavillon national français. Et il explique avec ces mots. Les Français, au sujet des couleurs nationales, se sont divisés en deux camps. Les uns voulant conserver le drapeau tricolore, d'autres voulant que le drapeau rouge soit adopté. Alors on est le 16 septembre 1870.
On est encore au tout début de la guerre. Il n'y a pas eu encore l'épisode de la Commune. Donc l'idée du drapeau rouge, c'est le drapeau rouge de 1848 et pas celui de la Commune. Alors, Noël explique que le drapeau tricolore est associé à l'héroïsme, mais qu'il est entaché par les défaites et la honte du Second Empire, et qu'il ne faut pourtant pas, je cite, malgré les défaites du Second Empire pour le drapeau tricolore, il ne faut pourtant pas aller chercher nos couleurs nationales dans l'arène sanglante des toréadors espagnols. Voilà. Et il faut une république qui joigne à la fermeté la douceur. Il propose donc l'adoption du drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel, car sa signification symbolique est jugée sublime, paix et alliance des peuples. Et il termine ainsi, je cite, qu'un premier drapeau ainsi composé soit offert par la fabrique lyonnaise à notre régiment d'héroïnes, pour que les premières, elles aillent porter aux regards étonnés de l'ennemi les nouvelles couleurs de la patrie, et lui apprendre que sur le sol français et sous le soleil républicain, il y a encore des milliers de Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, aujourd'hui, évidemment, les couleurs de l'arc-en-ciel ont une autre signification. Mais à l'époque, il y a cette idée de réconciliation du peuple français par ce drapeau. Et à ce moment, éviter certaines préméditations, une guerre civile entre partisans du drapeau tricolore et partisans du drapeau rouge. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.